Bonjour, je suis le frère Olivier Catel. Je suis frère dominicain de la province de France. Avant de partir, il y a maintenant déjà 8 ans, pour Jérusalem, où je me trouve actuellement à l'école biblique et archéologique française. Je me suis spécialisé dans la littérature rabbinique, la Mishnah, la Tosefta, le Talmud, pour essayer de mieux comprendre la pensée juive. J'ai eu l'occasion d'enseigner le cours que je vous propose aujourd'hui, l'introduction au Midrashim. C'est une manière de découvrir ces textes juifs, de la tradition juive. Depuis Vatican II, le goût et l'intérêt pour les textes et la tradition juive sont grandissants. Cependant, le terme Midrash est un peu complexe car il couvre une grande multitude de réalités qui s'étendent en gros du deuxième siècle de notre ère jusqu'au milieu du Moyen Âge. Le but de ce cours est donc de connaître les différents genres de la littérature juive. Qu'est-ce qu'un midrash? Qu'est-ce qu'un targoum? Qu'est-ce qu'une Bible réécrite? L'objectif de ce cours, c'est de connaître dans la littérature rabbinique la différence entre ce qu'on appelle le midrash légal, midrash halakhique, et le midrash agadique.